Tov erev tov. Shem Hashem naaseh venatzliach. On est ce soir le mardi Kaf Zayin Be'Adar Bet et le 5 du mois de avril. Leilou Nishmat, d'abord avant tout l'askara de David Kimchi Ben Sarah, Yom Pkudato, Shmuel Ben Elisa, sans oublier bien entendu Shimon Chai Ben Aisha. Bezrat Hashem, Shakados Baruchu, Yalet Nishmatam Began Eden Elion Betorch. Bezrat Hashem, Kol Mete Israël, en incluant tous les morts d'Israël, jusqu'à la résurrection des morts. Et fois Shema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Asher Stéphane Ben Miriam Atou. Et bien entendu, notre cher et tendre ami, le Rav Yosef Chaim Yosef Ben Emma Citruc, qui a une fois de plus besoin de nos prières, Bezrat Hashem, et d'autres personnes qu'on a en tête dont on ne dira pas le nom, ainsi que Yitzhak Ben Meir, Bezrat Hashem, et Nicole. Bien sûr, Nicole, oui, Nicole. Très bien. Alors, ce soir, il y a Askara aussi. Pardon ? J'ai tout dit. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit. C'est quand tu dormais sur le côté gauche. Top. Alors, ce soir, on va étudier un sujet rempli de controverses. Que ce soit du Midrash à l'Agmara au Zohar. C'est un sujet qui est très compliqué. Et c'est un sujet qui s'étudie sur une lame aussi fine que celle d'un rasoir. C'est-à-dire que vous trouvez les réponses, les concordances entre toutes les déotes qui vont constamment croiser le fer dans ces enseignements, trouver des réponses à des extrêmes aussi importants demande, petit 1, du temps, petit 2, beaucoup d'attention. C'est, peut-on manger à deux tables ? Est-ce que on pourrait, cela signifie, profiter de ce monde et profiter de l'autre monde. Ou, petit 2, si tu as profité de ce monde, tu as perdu l'autre monde. Ou, petit 3, tu ne profiteras rien de ce monde pour tout garder dans le monde futur. Trois options qui s'offrent à nous. Trois façons de vivre le judaïsme. Alors, si je devais vous poser la question, il est évident qu'on obtiendrait déjà plein de réponses, pour certaines justes, pour d'autres peut-être folkloriques, pour d'autres idéologiques. Chacun va trouver un petit peu, ben oui, je vois pas pourquoi, Dieu a créé ça, et pourquoi pas. Nachon, yachol yot sheken. Nous, ce qu'on va étudier ce soir, c'est les déot prescrites par les chachamim. Bien entendu, et comme d'habitude, en donnant les références et en les expliquant avec ceux qui nous les ont expliquées. Parce que c'est un sujet qui, je le dis, est aussi fin que la lame d'un rasoir. Si on n'a pas les bonnes explications, on peut carrément ou tomber du judaïsme ou se concrétiser un monde qui paraîtrait être dans le judaïsme mais qui en réalité nous éloignerait de la Torah, créer une nouvelle religion, lo aleinu ve lo aleichem. Alors sans plus tarder, on commence par, je vous pose la question, on prend le côté de ceux qui disent qu'il ne faut pas du tout profiter de ce monde ou ceux qui disent qu'il faut absolument profiter de ce monde. Voilà, très bien. Les réponses, comme d'habitude, il n'y en a pas. Tout le monde me regarde les yeux comme ça et personne ne bouge. Aïe, ouais, ça commence. On n'est pas dans le juste milieu. Là, la question que je pose, c'est Wahadlouni ou Wahadlouni, lequel? Wahadlouni, elle a dit. Oh. D'abord et avant tout, alors on va parler de ceux qui disent qu'il ne faut absolument pas profiter de ce monde, de quoi que ce soit de ce monde. C'est difficile. Gardez vos commentaires pour vous pour l'instant. Attendez la suite et vous verrez que les réponses que je vous ai préparées, bien entendu, viendront vous faire comprendre que tout est divrei Elokim Chaim. La Torah, combien même remplie de machloket pourrait-elle ? 70 facettes dans la Torah, 70 facettes de gravir le Harsinaï, 70 facettes, Virotai Verabotai, de comprendre la Torah avec 600 000 explications pour chaque mot de la Torah. Donc vous comprenez bien que la Torah étant infinie, ce n'est pas ce que je pense ou ce que vous pensez qui vont définir cet infini. Malgré tout, on va obtenir des réponses. On va obtenir des réponses et on verra qu'en réalité des réalités, tout est vrai. Tout est vrai. De quoi est-ce que l'on parle? On parle pour une heure vingt peut-être. On va essayer de faire ça rapidement. Alors il y a plein de choses qui ont été notées. Je commence. Le CDR? Non, ne répondez pas, j'ai l'habitude.
Konem kol amar Shlomo Amelech et Adam et Chacham Mikol Adam. Dans Michelet, il commence par Hakol Hevel Havalim. Amar Kohelet. Pas dans Michelet, excusez-moi, dans Kohelet. Tant pour moi. Tout est vanité des vanités dans ce monde. Qui peut le dire? Celui qui a absolument tout connu, tout eu, tout examiné. Lui, à la fin de sa vie, au bout de 52 ans, d'ailleurs, qui a été la clôture, on a clôturé son cours hier sur le roi Salomon, et quand il revient sur son trône, avant de partir de ce monde, il dit, je pensais avoir absolument tout connu, et je n'ai encore rien connu. Alors, si lui dit ça, nous, on est mal barrés. Alors, quoi qu'il advienne, le roi Salomon nous dit 7 fois de suite, Hakol Evel Avalim. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est du Evel, du vent. Il n'y a pas de souvenirs. S'il n'y a pas les photos aujourd'hui, il n'y a rien qui reste. Asma Perushadava. Selon le roi Salomon, courir après les vanités de ce monde ne sert à rien. Donc c'est quand même déjà une grande gifle. Prenez une personne qui a kiffé sa race pendant 30 ans. Elle et son mari. Kiffé sa race. La demhot. La boucha. La shiha. Et voilà que malheureusement, trac. Tu lui poses la question à ses 30 ans de bonheur. Qu'est-ce qu'il te répond? À quoi lever la baleine? Et c'est ce qu'il dit le roi Salomon. Le jour où vient te prendre l'ange de la mort, où sont tous tes tanougim? Où est-ce qu'ils sont tous ces plaisirs? Al-Khulecha. Alors qu'on doit vivre comme des arbarim, on doit vivre comme des rats. Omer Shlomo Amelech, Akol Evel Avalim. Et pourquoi? Parce que le roi Salomon vient nous dire que Kol Ta'anuge Aolam Azet Munim Betoch HaTorah Ve'alimut Ve'amitzvot Ve'amasim Tovim. Je traduis. Parce qu'en réalité, le créateur du monde, là on est dans le côté, je répète, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi on commence avec le côté un tant soit peu péjoratif, voire négatif de l'enseignement, qu'il ne faut pas profiter de ce monde, on va expliquer pourquoi. Parce que les sages nous disent que Dieu, le créateur du monde, qui sait de quoi il parle, lui par contre, il a placé le vrai bonheur que dans un seul unique domaine. L'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot et les bonnes actions. Là-bas, il a mis le bonheur. Ailleurs, il l'aurait laissé au Yetzerara pour donner un bonheur momentané. C'est-à-dire que le meilleur moment du monde d'en bas, c'est le moment que tu vis. Après ce moment-là, il a disparu. Zeperushadava. Top. Vechen, la Masechet elle-même Kedushin, ou la Parashat Kedushin nous dit Kedushim, Kedoshim Tiou. Je vous demande d'être Kadosh. Qu'est-ce que veut dire le mot en hébreu? Kadosh. Les gens le traduisent par le mot saint. Ça, c'est la traduction du mot. Mais qu'est-ce qu'il veut dire le mot saint? Kadosh veut dire parush min haolam. Parush min haolam signifie séparé du monde matériel, séparé du monde d'en bas. Un homme qui est kadosh, il n'est attaché qu'à des choses qui sont kedoshim. Et sur terre, on est dans le monde de l'ash et alma de shikra, le monde du mensonge. C'est comme ça que le Zohar l'appelle. Le monde d'en bas, là où on a les pieds, dans le monde d'en bas. Tu es sorti de la poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc les Chachamim nous demandent, ainsi que la Torah elle-même, Kedoshim Tiyu, Perushadava, que la Kedusha se trouve où? Dans l'élévation spirituelle, ce qu'on appelle la Hadraga de la spiritualité, les élévations. Donc tu dois t'élever au-dessus de cela. À l'image de qui par exemple? Du Nazir. Qu'est-ce que c'est un Nazir? Traduction française. Falsifié par rapport à notre compréhension à nous, moine. Nazir, c'est un moine. Mais dans le judaïsme, Chas v'Shalom, il n'y a pas de moine. Qu'est-ce que va faire un homme qui sera un nazir? Il va tout simplement prendre sur lui des restrictions, alors qu'il aurait pu, comme ne pas boire de vin, ne plus se couper les cheveux, rentrer dans un système de barrières. Et les Chachamim nous disent à un tel point dans le Shulchan Aruch, à propos de Kedoshim, être saint, que même ce que la Torah t'a permis, même ça tu te l'interdis. Oh, tu me lâches les baskets un peu là? Déjà qu'il y a beaucoup d'interdits. Pourquoi? Pour être capable de t'élever. Donc pour l'instant, est-ce qu'on peut profiter de ce monde? Pas du tout. J'en suis qu'à la première ligne, on a 2 feuilles à faire. Donc les références qui disent qu'on n'a pas le droit de profiter de ce monde sont très très nombreuses. Vechen katouv, non se seagim etern sebor namazé. Il dit comme ça à propos le Peliyoetz. Rabbi Eliezer Papon, un livre qu'on étudie tous les dimanches matin. Que vous, Beshem Chachmé Amoussar, au nom de tous les Balé Amoussar, chez Kozman, chez Adam, Olech Ahare, Tanuge, Aolam Azé, que tout celui dans ce monde,
qui n'a que pour recherche, écoutez bien les mots, ils sont importants. Très très importants. Parce que si on ne les comprend pas, on ne pourra jamais comprendre qu'il n'y a pas de mahloket. Pour l'instant, on est dans le shlav de ceux qui disent « Don't touch, touche pas ce monde ». Et il nous dit quoi ? Tout celui qui ne cherche que les plaisirs de ce monde, les restaurants, bien dormir, bien manger, bien ceci, bien cela, les meilleurs hôtels, perdre son temps, nous dit le Palpeleyuet, je pense qu'on se doit de respecter, tu peux être certain que cet homme-là est encore très 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 loin de comprendre l'importance de ce monde et qu'il s'est éloigné de la Shekhina. De jouir de l'importance de la Shekhina qui ne se trouve pas là-dedans. Et là, il rentre un petit peu plus loin. Il dit que quand une personne décède, il y a ce qu'on appelle la notion du Chibout Akever, c'est-à-dire les quatre anges descendent dans le Kever et vont dire au corps, pourquoi tu as profité de manger de la viande? Pourquoi tu as profité de ceci? Pourquoi... On s'arrête là, c'est venu Rasra. Attendez le cours jusqu'à la fin, s'il vous plaît, parce que la réponse finale, c'est qu'on a intérêt à profiter de ce monde. Comme ça, vous n'êtes pas angoissé pour ce qu'on va lire. On a intérêt à profiter de ce monde. Et celui qui dit le contraire est quelqu'un qui n'a absolument rien compris à l'étude et qui ferait mieux de retourner élève au lieu de parler comme arabe. Le vadaï qu'on doit profiter de ce monde. Et les références derrière ne sont pas moins nombreuses. Et tout, le plus marrant, c'est que c'est les mêmes livres. Enfin, c'est pas grave. Donc voilà, je vous le dis quand même à l'avance, bien sûr qu'il faut profiter de ce monde. T'es venu dans ce monde pour profiter de ce monde. Alors, comment tu vas pas profiter de ce monde? Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Vous allez mieux? Parce que je vous sentais un petit peu blêmir, là, depuis tout à l'heure. On allait partir, voilà. Non, non. Méod, 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 méod
Il te dit, en fin de compte, tu remarqueras que même nous-mêmes, nous disent les sages, quand tu possèdes cela, tu donnes une super belle maison à une femme. Mais pourquoi je dis une femme? Parce que la femme, c'est la maison. Très souvent, quand tu les vois là-dedans, tu parles en rendez-vous privé, ils te disent, tu parles de la maison dorée? Ma maison dorée. Ils appellent ça une maison, mais c'est que une maison dorée. T'as la piscine en forme de guitare, tu as la salle de bain en forme de harpe, tu as la belle-mère en forme de vase. Hein? Une prison. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, prison dorée, tu as raison. Tu as bien fait de me couper, Yachik Ouijik. Mais Zéferouch Adaba, il te dit, tu poses la question à eux-mêmes, ceux qui le possèdent, les premiers jours, waouh! Et après un an, deux ans, alors ta maison, beaucoup de ménage. Rassra, j'ai oublié la cravate, monte au premier étage. Chérie, la prochaine maison, tout plat, s'il te plaît. Hein? Mankara, t'as pas besoin de si grand. Alors après quoi t'as couru toute ta vie? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est pas les moussards, on le sait. Mais la reine, et madame, et vakesh, les rôles, les édavards, vechoulez. J'avance parce que ce serait trop long. Je vais avancer dans d'autres livres. C'est très très long. Donc je voudrais maintenant me référer au Sefer Chassidim, qui dit comme ça, chez Kolma, chez Adam, néné, mais à Kavod, tout celui qui chercherait dans ce monde maintenant le plaisir du respect, le plaisir d'avoir son nom partout, qu'on parle de lui à droite et à gauche, qu'il sache, chez Oto Baolamazé, on lui retirera du monde futur et le rapprochera le jour de sa mort encore beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que tu profites d'un respect dans ce monde. Tu cherches le Kavod, comme c'est marqué. Hakavod ata'ava ve'akin'a mutsim et ta'adam ina olam. Celui qui recherche constamment les envies, le respect, constamment les ta'avot, tout ce qui tourne autour de cela. Ken? Le respect, les ta'avot, les envies et la jalousie se retirera de ce monde avant. Maserhet avot, c'est aussi marqué dans Sefer Hasidim. Vechen Agmara nous dit dans Maserhet Brachot, Bedafret, la phrase suivante, chez Gadol ane'ene migia kapav. Plus grand est celui qui gagnera sa vie à la sueur de son front, Yoter Miyere Shamaim, plus encore que celui qu'on dit de lui qu'il a de la crainte du ciel. Pourquoi? Kevan Sheyere Shamaim, car celui qui se dit avoir de l'Eirat Shamaim, Bilvad, En Tovato Shlema, la Olam Abba, il ne pourra pas dire qu'il a une totale conséquence avec son monde futur. Kevan Shelonena, Migia Kapav, parce que ce qu'il aura à manger n'est pas venu de sa propre sueur, comme le demande le Tikkun HaOlam Hazeh. C'est-à-dire que même celui maintenant qui va étudier la Torah, il doit faire attention d'étudier vraiment le Shem Shamaim, et de vivre cela comme étant Mamash Dachouk Bimprinat Irat Shamaim. Et celui, comme tout à l'heure, quelqu'un est venu travailler, un peintre, est venu travailler avec ses habits de peintre. Alors il est venu avec des habits très sales. Il a prié Mincha ici. Il a prié Mincha. Et son copain qui était à côté, il me dit, Rav Tutu, c'est bien de venir prier comme ça, dans un tel état? Je lui ai répondu, c'est les plus beaux habits avec lesquels il pouvait venir. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, c'est les habits de l'honnêteté. C'est un très bel habit de venir avec David d'ouvrier, c'est un très bel habit de manchère. Lama, ça prouve que cet homme-là, il travaille avec de l'honnêteté. Il vient avec des mains propres devant Hachem. Je préfère un homme habillé comme ça dans une synagogue. Le mieux, c'est qu'il aille se changer, qu'il prenne une douche, qu'il vienne habiller, il a fait pour devant Hachem. Avant, entre lui qui vient habillé comme ça et quelqu'un qui vient habillé gentleman, et qui vole, il est préférable d'avoir un homme qui vient avec des taches de peinture sur lui. C'est évident. C'est là. Varim Brourim. Vechen, dans le Rishit Chochma, il ramène, Sharab Majve Ben Kamalat Achila les Korbanot. Le Rishit Chochma, il dit que quand on mange à table, ça ressemble à un Kohen Gadol qui vient faire des Korbanot. Et ainsi donc, si tu ne manges pas pour Hachem, si tu ne manges pas en t'annulant d'une certaine façon pour travailler ton Créateur, tu ne pourras jamais dire que tu es venu faire des corbanotes et tes repas ne feront jamais la capara de tes avérotes. Et ça continue. Comme le dit par la suite le roi Salomon, ainsi que le Shulchan Aruch, je rappelle, une fois de plus le Shulchan Aruch, Mi'ut Shena, ça veut dire quoi Mi'ut Shena? Dors peu, mange peu, bois peu, profite peu. Mais par contre, en Torah, mitzvot et bonne action, fais beaucoup. Je m'arrête là, il y a beaucoup d'autres références, ça suffit. Je tourne la page. Et après, je commencerai à tout expliquer. Et là, ça commence par Kiftou. Amar Rabbi Hizkia, Rabbi Cohen, comme c'est marqué, Beshem Rav, Atid Adam Iten Din Vecheshbon. La Gemara nous dit, il y a deux références à cela, si je me rappelle bien de tête, c'est Masret Ta'anit Bedaf Yud Aleph. Et il y a aussi une autre Masret qui en parle, avec le Meshaneh.
tout celui qui n'aura pas profité de ce monde, le jour de sa mort sera amené devant le trône divin et rendra des comptes devant Hachem. Et Dieu lui dira la phrase suivante, donc je renote les mots. Al kol ma sheraita eno velo achalta. Velo achal. De tout ce qu'ont vu tes yeux et tu n'as pas mangé. Perush Hadavar, tu n'as pas profité du monde que j'ai créé. Alors pour qui j'ai créé ce monde, il te dit Hachem. Donc déjà on commence à passer de l'autre côté, les sourires s'installent sur vos visages. Le Faresh Apneik et les Chachamim nous disent, je passe des commentaires parce que ce serait trop long, je viens directement au but. Comment comprendre cela? Amrou Rabotenu Alem Hashalom sur cette Gemara. Mazenoten din vecheshbon, il rendra des comptes devant Hachem d'avoir de ne pas avoir profité de ce monde. Mishum shelonoten libo levarer veleodot l'Hashem itbarach. Parce que le but de ce monde, c'est marabou ma'asecha Hashem kulam bechokhma sita. Waouh! Il y a des brachot quand on voit un arbre, quand on voit un homme de belle allure, quand on voit des choses dans ce monde, un arc-en-ciel, quand on entend les réamim, le tonnerre, quand on voit un éclair. Ça s'appelle comment ces brachot? Quand je veux manger une pomme, quand je veux manger un melon, quand je veux manger un poisson, comment on appelle ces brachot? Berkat Nehenim, qui veut dire quoi? Les bénédictions du profit. Il faut profiter de ce monde. Comment tu es venu dans ce monde et t'as profité de rien? Le créateur du monde te dira, Habibi, viens ici. Si j'avais voulu des anges, j'aurais pas créé la terre. J'ai créé cette terre, la planète bleue, tout simplement pour que vous puissiez en profiter, c'est à vous. Mahloket, Maseret Brachot, qu'on va étudier tout à l'heure. Ça va jusque-là? Hachem Barach, tout simplement, Veroim, comme il dit ici, Me'agmara, Le'el, Sheken, Yesh Riyu, Vimitzvah, Le'enot, Me'onamazé, Kedeh, Le'barach, Ve'le'alel, Et Hachem, Et Barach. Et les Chachamim nous disent que, comme on ne peut pas voir Dieu, Kilo Ir'ani Ha'adam Vachai, tu ne me verras pas de ton vivant. Comment je peux voir Dieu? En regardant sa création, en profitant de sa création. Donc, si je devais continuer, c'est encore long. Je vais m'arrêter là avec cette feuille, parce que j'ai peur de ne pas passer à l'autre feuille, qui est la mienne encore plus précise de maintenant. Voilà. Comment on pourrait comprendre ça? Vous avez déjà une idée à peu près de cette marloquette. D'un côté, on va donner des comptes à Dieu qu'on n'a pas profité de ce monde. Et de l'autre côté, on va... On n'a pas le droit de profiter de ce monde parce que X raison. Comment vous comprenez? C'est pas du plaisir seul. Il faudrait donc, en profitant, ça m'aide à m'élever. Très belle réflexion. Et là, je vous invite à rentrer dans mon étude personnelle, bien entendu aussi référencée que ce que nous venons de voir jusqu'à maintenant. D'abord et avant tout, pour comprendre cette marloquette, il faut retourner à la racine des choses. La racine démarre, une fois de plus, d'un choix. D'un choix qui a été fait pour les premiers hommes de l'histoire, j'ai nommé Caïn et Hevel. Donc c'est un sujet qu'on a déjà expliqué, je ne m'attarderai pas dessus. Vous l'avez bien compris, Caïn a choisi quel monde? Le monde de la matérialité. Hevel, il a choisi quel monde? Il a dit à Kol Hevel Avalim. Hevel, il a choisi le monde futur. Caïn lui a dit, alors dégage de mon monde. Et il l'a tué. Tu veux le monde futur? Prends-le. Ce combat que nous avons entre Israël et aujourd'hui le commun des mortels, duquel descendront toute l'humanité, du côté des nations du monde, Caïn, et du côté de l'autre côté, on a, bien entendu, Cheth, troisième fils d'Adam Arishon, qui se répercuteront tous chez Noah, qui engendrera lui-même trois fils, qui sont Shem, Ham et Yafet. D'où sortira une fois de plus toute l'humanité, on retournera dans le même combat. Les Sémites ont choisi le monde de la spiritualité, Ham a choisi le monde de la matérialité, et Yafet a choisi les deux mondes. Il prend le talit avec Shem et il le couvre. Et c'est pour ça qu'on dit que la Torah est belle dans la tente de Yafet. Dans le texte de la Torah, on descend encore un peu plus bas, et ce combat, une fois de plus, remonte sur le ring. De qui est-ce qu'on parle? De Yaakov et de Esav. Esav choisit quel monde? Le monde d'en bas. Et Yaakov, Ishtam Yoshev Oalim. Il monte en haut.
Lui veut le monde d'en haut. La Gemara dans Masechet Brachot nous dit La Aretz, l'Hachem Umloa. A Aretz, pardon, l'Hachem Umloa. Le ciel et la terre n'appartiennent que à Dieu. Si ça ne m'appartient pas, ce monde, est-ce que j'ai le droit d'en profiter? Non. Tu as le droit de profiter d'une voiture qui n'est pas la tienne? Ma pitom. J'ai le droit de profiter d'un stylo qui n'est pas le mien? D'assaut. Et le verset nous dit tout de suite après, « Velaaretz, Nathan, livne Adam. » Alors décide. « Et j'ai donné la terre à l'homme. » Alors elle est à qui la terre? Elle est à Dieu ou elle est à l'homme? Elle est aux deux. J'ai un problème. On a vu que pour Yaakov Avinu, lui, tel que nous avons été créés, dans l'absolu, on n'a pas le droit de profiter de quoi que ce soit de ce monde. Tous les enfants d'Israël, dans l'absolu, n'auraient pas le droit de profiter de ce monde du tout. Dans des crottes, avec une peau de banane, qu'est-ce que tu fais, je profite de rien. Voilà. Oh, yo, yo, super. Par contre, les nations du monde, ils profiteraient de ce qu'ils voudraient. La Gemara, elle lui dit, « Ma pitom, tu réverbères. Ma pitom. » Puisqu'a marqué, « Ve la aretz natan livne Adam. » Il l'a donné à l'homme. La Gemara nous répond, « Lokashia. » Il n'y a pas de mahloket. S'il vient profiter de ce monde sans faire de bénédiction, c'est un voleur. Parce que ce qu'il consomme et mange ne lui appartient pas. Les nations du monde consomment et mangent de façon générale sans bénédiction. Mais le peuple juif n'a pas le droit de profiter de ce monde. Mais maintenant, il y a marqué, il a donné pour qui ce monde? Pour l'homme. Si tu viens faire la bracha dessus, birkat ane'enim, je viens mettre le nom d'Hachem dans le profit que je vais obtenir, alors tu peux profiter de toute la terre. Et c'est pour cela que ce qu'on vient de dire tout à l'heure, Marabou Maasecha Hachem, regarde comment Dieu l'a créé l'Himalaya, regarde comme il est beau le monde d'Hachem, regarde ce fruit comme ils sont beaux, regardez ce que Dieu a créé, comme c'est magnifique, comme on ne peut pas te voir toi, on ne peut voir que ta création, car la création n'est d'autre que le représentant du Créateur. Donc comme pour l'instant on ne peut pas te voir, on a intérêt à voir le monde d'en bas qui te représente. Mais dans quel but alors je dois connaître ce monde? Dans le but de mieux connaître Hachem. Et c'est ce que nous dit la Gemara. Si nous n'avions pas eu la Torah par le chemin du Sinaï, nous l'aurions compris par le chemin de la nature. Très bizarrement. Je continue. La Gemara, dans Masechet Yevamot, à la page 62 à Moudbet, nous dit qu'un homme qui vit dans ce monde, sans femme, qui n'est pas marié, vit sans joie, il vit sans parnassa, en d'autres termes, il vit sans muraille, il vit sans Torah, patati et patata. Le Zohar n'est pas d'accord avec cette déa, parce que ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fin de compte, un homme qui n'est pas marié, qui est le mazal de l'homme? C'est sa femme. Donc en autre terme, si un homme n'est pas marié, il n'aurait pas de mazal. Ah ben excusez-moi, c'est faux. Dit Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda, pas David Twitou. Moi je ne suis pas là pour dire c'est vrai ou faux, la Gemara dit des choses. Moi, Rabbi Yehuda Tzadka il dit non, ma pitom, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'un homme, 40 jours avant qu'il vienne au monde, déjà on décide pour lui tout ce qui sera sauf une chose, il sera tzadik ou racha. Bien avant qu'il vienne au monde. 40 jours avant sa conception. Même le Sefer Torah qui se trouve dans un bête, dans un bête, c'est Knesset, il est dépendant du mazal. Tout dépend du mazal dans ce monde. Akol talia de mazale. Même si dans Masechet Shabbat, page 156, Amoud Aleph en bas, on nous dit que, est-ce qu'il y a du mazal, il n'y a pas de mazal, c'est à savoir, est-ce qu'on peut changer notre mazal ou pas. Mais tout le monde est d'accord qu'il y a un mazal, on ne peut pas le nier. Aval de l'autre côté, comment tu peux me dire qu'un homme qui n'est pas marié, il n'a pas de parnassa? Je connais des gens, ils ont 42 ans, 43 ans, ils gagnent très bien leur vie, ils n'ont pas de problème. Comment tu peux me dire qu'ils n'ont pas de Torah? Aré Ben Azaï, il n'avait pas de Torah? Elisha Ben Abouya, n'avait-il pas de Torah? Ben Zoma, n'avait-il pas de Torah? Et pourtant, il n'était pas marié. Comment on peut comprendre cette Gemara? Rabbi Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, nous dit, c'est qu'en réalité, tant qu'un homme n'est pas marié, tout ce qu'il profitera de ce monde lui sera systématiquement retiré du monde futur. Mais le jour où il se marie, tout ce qu'il profitera de ce monde, cela passera comme un tampon par le biais de sa femme. D'où l'importance d'honorer toujours son épouse. Pourquoi? Parce que maintenant que tu es marié, tu peux donc dire à Bi ou Dat Sadka,
profiter de ce monde. Besrout ishto. Où est-ce que c'est marqué tout ça? En allusion dans Maseret Baba Metzia, la page 59, Amoud Aleph, 7 lignes avant la fin, tout simplement. Ou 4 lignes, 5 lignes, enfin c'est vers la fin, le dernier gros paragraphe, première grande ligne. Là-bas c'est marqué. Combien un homme se devra faire très attention de gâter sa femme, de faire attention à elle. Pourquoi? Il dit parce que Habibi, tout ton mazal, il passe par elle. Tu l'as fait pleurer, tu fais pleurer ton mazal. Tu l'insultes, t'insultes ton mazal. Tu lui fais du mal, tu fais du mal à ton mazal. N'en profitez pas, mesdames. Aval, ce qui est vrai, est vrai. Donc vous voyez bien que Rabbi Yehuda Tzadka nous dit ouvertement que maintenant que tu es marié, maintenant tu peux profiter de ce monde, grâce à elle. Mais avant le mariage, fais attention. C'est pour ça que les trois qu'on a cités n'ont pas suivi parfaitement le chemin de l'idéologie de la Torah. Ben Azaï est mort, Ben Zoma, devenu fou, entre guillemets, et Elisha Ben Abruya, renégat de la Torah. Donc, dans les trois Kivunim, ça ne l'a pas fait. J'avance. À Kippour, oui. C'est un autre sujet, madame. C'est un autre sujet. Si elle ne s'est pas mariée, eh bien, elle ne s'est pas mariée. Donc vous vous rendez compte, la réponse que je devrais vous donner, alors que je suis en plein élan avec Shremet Amout, je suis en train de suer, j'en peux plus. La femme n'a pas l'obligation de se marier. Une femme qui ne se marie pas, elle n'a pas de direction, parce qu'elle n'a pas acquis... C'est un sujet pour lui-même qui est douloureux et que je n'ai pas envie de développer. À Kippour, dans le Tikkun de Rabbeinu Nissim, on dit la phrase suivante. Alors je vous l'ai choisi ici. Je vous l'ai pris, et je vais vous le lire parce que c'est quand même très important de le reconnaître une fois pour toutes. Écoutez bien ce qu'on dit. À Kippour, hein. Nous sommes dans la prière de Shaharit, Chazarat, Shaliar Tzibur, de Yom Kippourim. Il y a ici le alphabeta de toutes les fautes que l'on a fait dans l'année. On demande à Kippour pardon à Dieu. Et voici que dans la liste que nous allons lire à Kippour, nous disons au Créateur du monde, Nehenenu me'olam hazeh, ou Beta Anugav, ou Mita Anugav. On demande pardon à Dieu d'avoir profité de ce monde et de ses plaisirs. Mais bizarrement, regardez bien combien il faut faire attention quand on dit des choses. Imaginez qu'un rabbin vient de vous dire, mais tu vois bien que c'est marqué, on demande à Dieu pardon parce qu'on a profité de ce monde. Mais je comprends rien ou quoi, lis la suite, t'as le doigt dessus, Andouille. C'est juste en dessous. T'as tes yeux, ils sont là, en dessous. Tu vois le merle, tu vois le cheval, en dessous. C'est pas compliqué. Et qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Nehenenu mi'olam hazeh, belo beracha. Traduisez. Nehenenu mi'olam hazeh, belo beracha. Tu as profité de ce monde sans bénédiction. Alors attends, je ne comprends pas. Dans le même paragraphe de Kippour, on te dit d'un côté, tu as profité de ce monde, racha. Et tout de suite après, on te dit, quoi, tu as profité de ce monde, tu n'as pas eu de bracha? Ça veut dire quoi? Et si j'avais fait la bracha, j'aurais le droit ou pas? Oui. Alors pourquoi il a besoin de dire deux fois des choses à Kippour? Explication très simple. Si maintenant, le fait de profiter de ce monde va t'éloigner de l'avodat Hashem, de servir Hashem, alors le fait de profiter de ce monde n'est pas bon pour toi. Première explication, t'es dans Kippour. Tu viens pleurer les fautes, mais tes fautes, Habibi, pour pas les recommencer, faut comprendre pourquoi elles sont venues. Et tu sais pourquoi t'as fauté? Parce que t'as trop profité de ce monde, t'as perdu trop de temps en dehors du Beth Midrash. Si tu avais été plus souvent à l'intérieur, si au lieu de perdre ton temps, tu avais donné un peu plus au monde de la Torah, donc moins de ta'anougim, moins de films, moins de manger, moins de ceci et de cela, t'aurais plus de force pour te vaincre, pour vaincre ton Yetzerara. C'est dans ce sens que cela est dit ici. La preuve en est. Tout de suite après, qu'est-ce qui a marqué? Et tu as profité de ce monde sans bracha. Alors si vous avez des brachot, oui. Parce que pour faire les brachot dans ce monde, c'est qu'on est armé avec un Yetzeratov. Est-ce qu'il y a une machloquette? Non. Le sikoum à la fin, je vous le ferai, vous allez tout comprendre, c'est splendide. Une étude, matok. Une Torah de vie. Une Torah à la tuitou qui nous rend tout tuit. C'était très lourd, mais c'est pas grave. Velachen Amar Shmuel, comme on l'a dit tout à l'heure, le Rabbi Eliezer Kadosh,
Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça dans le Talmud. Maseret Kedushin bedaf pe dalet amud bet. Dans le Yerushalmi. Je vous le lis ouvertement. Amar Rabbi Chizkiya b'shem Rav atid adan shuv litendin v'cheshbon. On l'a lu déjà tout à l'heure. Al kol ma shelo shlecha sherata eno velo achal. De tout ce qu'ont vu ses yeux et n'a pas profité. Car le jour où un homme partira de ce monde, klape ma'ala, comme c'est marqué dans Maseret Ktubot à la page 104 amud bet, l'one neti afilu Amar Rabbi Yehuda Anassi, donc Maseret Ktubot, Rabbi Yehuda Anassi a dit, alors qu'il avait des murs faits de feuilles d'or, toute ma vie durant je t'ai servi, et seul toi Dieu tu le sais, même mon petit doigt n'a pas profité une seule seconde de ce monde. Tu me charries ou quoi? Tu mangeais tous les jours. Vous savez que Rabbi Yehuda Anassi avait des repas très, très spéciaux tous les jours. Hein. Les fruits étaient les meilleurs, les poissons tout frais, les viandes de meilleure qualité. Son fauteuil est fait d'or, ses murs étaient faits d'or. Et il dit, j'ai rien profité, même mon petit doigt. Tu te moques? Mais tu n'as pas profité, tu me chéris ou quoi? Et là, Shebal et Lamdenu, Rabbi Yehuda Anassi, que tout ce que j'ai profité n'a servi qu'un seul et unique but, mieux te servir. Et d'où tu apprends ça? Amrou rabotenu alem shalom. Et qui enseigne certainement magnifique? Rabbi Shimon bar Yochai. Vous vous rappelez celui qu'on a parlé tout à l'heure qui a dit quoi? Vous perdez du temps avec le monde matériel? Comprends ce que ça veut dire, Habibi. Amar Rabbi Shimon bar Yochai. Kelim na'e. Traduisez s'il vous plaît. Kelim na'e. Celui qui a de beaux ustensiles. Nachon? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre encore? Je ne m'en rappelle plus. Il a dit Kelim na'e. Attendez, je l'ai noté derrière, je crois. Isha na'a. De quoi? C'est l'autre feuille, dit-elle. Je pense pas. Deux secondes. Je crois que c'est juste derrière. Voilà, c'était ça le premier. C'était derrière. Mais d'où tu sais, toi? C'est pas du ma feuille. Dirana'e, autant pour moi, je reviens à rien. Celui qui a un bel appartement, celui qui a une femme plaisante et qui a de beaux kelim, marhiv da'ato shel adam. Tu peux être certain que son esprit s'élargira pour mieux comprendre la Torah. C'est bien d'avoir une super belle maison, selon Rabbi Shimon bar Yochai. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Selon le Chachamim, celui qui a un bel appartement, une femme plaisante, de beaux kelim. C'est bien ou pas bien? Rabbi Yehuda Anassi, dans Maseret Ktubot, à la page 104, il nous dit, regarde tout ce que j'avais, ma femme était belle, mon appartement, feuille d'or, des carrosses avec des roues en platinum, on s'en fout. C'est-à-dire, carte Visa, platinum, tout platinum. Mais malgré tout, tout ça, j'en ai jamais profité pour moi. Tout ce que j'ai eu dans ce monde, ça a été pour te servir toi, Hachem. Donc, une fois de plus, on revient en arrière et on voit ce que nous ont dit les Chachamim. Le nazir, on a parlé tout à l'heure du nazir, s'éloigne de ce monde, des désirs de ce monde. Pourquoi? Et là maintenant, on a les réponses à toutes nos questions. Afin d'augmenter sa sainteté. Donc le nazir, c'est bien ou pas? La Gemara nous dit, si une personne fait de lui un nazir, il est considéré comme étant choté. La Gemara nous dit dans Maseret Ta'anit, celui qui jeûne est appelé choté. Ça veut dire quoi choté? T'es un fauteur, il y a une mahloquette. Rabbi Eliezer dit, ma pitom, nikra kadosh. C'est le Maseret Ta'anit à la page Yudalef. Là-bas, il y a marqué, celui qui jeûne, il fait des sigoufim. Il va se mettre dans une situation de, j'éloigne de moi la nourriture, j'éloigne de moi l'eau, je vais jeûner de Shabbat jusqu'à Shabbat, comme faisait Baba Salé. Il y en a qui disent, si tu fais ça, tu es appelé fauteur. Il y en a qui disent, tu es appelé kadosh. Tu sais pourquoi? Si tu es constamment en train de courir après ces plaisirs-là, alors retire de toi un peu tout ça. Comme le dit le Rambam dans les Ilchot Deot, tu dois être dans ce monde dans les Jvil Azahav. Si tu as besoin de t'élever et que malheureusement tu as encore trop d'attirance pour cela, passe à l'extrême, commence à jeûner. Comme qui? Vous avez entendu le cours sur la biographie de Rabbi Nachman de Breslev, qui est passé d'un extrême à l'autre extrême. Et qui à la fin a dit, mange, bois, kiff, chir. Au contraire, ce que Dieu veut, c'est la joie. Sois sa mère. Aval uniquement Kedat Moshe Israël. Sois sa mère en étant capable de prendre dans tout ce que tu profites, le créateur du monde avec toi dans ton Ta'anouk.
dans ton plaisir, Dieu il t'accompagne. Est-ce que tu es capable de ça? J'en boîte de nuit, je peux dire que Dieu vient, on va danser? C'est pas possible. Donc si j'en boîte de nuit, c'est pour Dieu ou pour moi? Entre nous. C'est pour moi. Zé Assour. Alors là, le premier paragraphe qu'on a lu au début du cours, il intervient tout de suite. Assour! Assour! Ah, voici maintenant, moi, ce que je veux faire. Couscous boulette. Le poisson hlami. Accompagné de damhot sur le côté. Avec le Baruch Hashem, la boucha. La shicha et le pastis. Et je donne à tout le monde. Et je bois et je profite. Zetov ou l'otov? Dans le Shara Kavanot, on dit au nom du Hari Akadosh que pourquoi le sommeil du Shabbat est si important? Parce que les tzadikim descendent du Gan Eden, profiter du ta'anouk qu'on a eu de Shabbat Kodesh. Donc profite bien de ton Shabbat. Mange bien. Dors bien. Quand on a posé la question à Rabbi Eliezer, on lui a dit Yom Tov, c'est que pour Hachem ou pour l'homme? Il a dit Kulo l'Hachem. Rabbi Yoshua m'a dit Ma pitom. Amar Rabbi Yoshua, Chetzio l'Hachem, Chetzio l'Adam. Yom Tov, c'est moitié pour Dieu, moitié pour nous. Oh lui, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? En fin de compte, quoi? Moitié, moitié? Il dit oui, il faut étudier la Torah. Il va falloir aussi que tu manges, que tu boives. Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu voit ses enfants heureux, qu'est-ce qu'il est heureux? De déhot. Si tu es quelqu'un qui passe ton temps à tout le temps manger, rien faire d'autre que dormir, va étudier la Torah toute la journée d'Yom Tov. Ah bah si t'es un grand ami Tracham, t'étudies la Torah Baruch Hashem, Chetzio l'Hashem, Chetzio l'Adam. Toi aussi profite de toi. Pourquoi? Parce que tes 248 membres ont besoin d'être purifiés pour un but précis dans la création du monde qu'on va expliquer après. Car le but de ce monde, comme vous le savez tous, pourquoi Dieu il a créé ce monde? Pourquoi Dieu il a créé ce monde? Amrou rabotenu alem hashalom. Car toute matarat a olam azeh, d'élever le monde de la matière vers la spiritualité la plus totale. Et c'est pour ça que Yaakov a été mis à l'épreuve. Dieu le sort de la yeshiva pour le mettre dans le monde de la matérialité à travers des moutons en train de travailler la terre. Lama, afin d'élever le monde de la terre vers le monde du ciel. Mais Zéperouch Adavar, que si tu dis que tu n'es pas venu profiter de ce monde, comment tu peux inclure la Kdoucha de Dieu dans le monde de la matérialité? Comment tu peux le dire? Arrête, tout à l'heure on a posé la question. Est-ce qu'on peut manger à deux tables? Non. Essayez un jour de manger à deux tables. Soyez à la mienne et puis celle du voisin. C'est impossible. La réponse est, ça dépend. Ça dépend qui tu es. Le racha, il mangera qu'à la table d'ici-bas. Le tzadik, à la table de l'autre côté. Le chacham, il mange aux deux tables. Il va acheter une très belle voiture. Il va avoir une maison chaval à l'azman. Sa femme, Betty Boop. Elle n'est pas top, mais bon. Betty Boop, allez. Bouba. A Koltov et Yafé. Il arrive devant Dieu. On lui dit, Habibi, monsieur le rabbin, quelle belle voiture. Il dit, Nachon, vous savez combien j'ai emmené de Kala à la Choupa avec cette voiture? Vous savez combien, Baruch Hashem, de cours j'ai été faire d'une ville à une autre grâce à cette voiture? C'est pas une voiture conventionnelle. C'est une voiture qui est kadosh. C'est pas une voiture qui était là pour emmener des gonzesses à Elat ou à droite ou à gauche. C'est pas une voiture pour écouter du Barry White. C'est une voiture qui était là que pour faire des mitzvot. La voiture, comment elle s'appelle? Kadosh. La maison, Baruch Hashem, remplie de Kdusha. Jamais de mon mal élevé. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Viens chez moi, tu n'y trouveras rien d'interdit. Tout est kadosh chez moi. La Shrina elle-même vit à la maison. Comme je te l'expliquais la dernière fois, qui Dieu a béni? Oved à Adomi. Parce que Dieu a résidé dans une maison d'un homme qui s'appelle Eved à Adomi. Et la Gemara nous dit, Dieu l'a béni. Comme ça, il est marqué dans Shmuel Bet. Dieu a béni Oved à Adomi. Où est-ce qu'il était? Dans son salon, l'Arche d'Alliance. Parce que c'était tellement saint chez lui, que même l'Arche d'Alliance qui repose en Kodesh à Kodashim a pu reposer. Les Chachamim nous disent que Dieu a considéré la maison de Oved à Adomi comme le Bet Amigdash. Vous voyez qu'une maison peut même être appelée Migdash Mouat, elle aussi. La reine, tous les plaisirs de ce monde peuvent exister. Le seul truc, c'est de savoir pourquoi tu les as. Qu'est-ce que tu vas faire de ce stylo que tu vas payer 1000 shekels? Écrire des ktubot. Marquer des livrets Torah. Tu peux pas prendre un bic? Non. Le bic, tu le prendras pour faire des cheshbon de ce monde d'en bas, et tu me donneras le meilleur pour servir Hachem. Je veux la meilleure voiture pour servir Hachem. Je veux les meilleurs matériaux. Et d'où tu l'as appris tout ça? Quoi, t'es pas au courant de ce que dit la Gemara?
T'es pas au courant que la Gemara nous dit tout celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash de Ordos n'a jamais vu un beau binyan de toute sa vie? T'es pas au courant que Dieu a demandé de l'or pur pour faire la menorah? T'es pas au courant que Dieu a demandé du bois de Shittim couvert des deux côtés par de l'or extraordinairement pur, de l'huile d'olive pure, tout est pur au summum de la chaîne, pas alimentaire, mais en tout cas élémentaire. T'es pas au courant tout ça, que Dieu veut le meilleur? Le pourri, tu te le gardes, et le meilleur, tu lui donnes. Donc, qu'est-ce que c'est être kadosh? Qu'est-ce que c'est profiter ou pas profiter de ce monde? Il y a une très belle histoire à propos de Rabbi Akiva. Un jour, Rabbi Akiva est parti avec ses compagnons, Rabbi Tarfon, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Shimon Ken ben Gamiel, et ils sont partis chercher des dons. Et pourquoi? Pour les yeshivot, Shluch et des Rabbanan. Ils sont arrivés devant une très jolie maison. Ils ont demandé de l'argent, puis une autre maison, ils ont demandé de l'argent, mais ça leur manquait. Ils leur ont tout dit, tu sais, tu devrais aller voir le vieux monsieur là-bas, il a l'air assez riche. Tu devrais à lui demander de l'argent pour la yeshiva. Alors Rabbi Akiva s'est approché. Et avant de taper à la porte, il entend du côté de la rue, le vieux monsieur dire à son fils, « Bon, va pas maintenant encore au chouk, attends la fin du chouk et prends ce qui reste. » Rabbi Akiva, il a regardé ses compagnons, il a dit, « Un homme pour nourrir sa famille qui attend la fin du chouk et qui est blindé, c'est pas un homme qui fera un don à la Torah. » Et ils sont pas partis le voir. Seulement, en étant revenu un peu bredouille de cette histoire, il repasse devant la maison de ce vieux. Il dit, bon, malgré tout, peut-être qu'on peut retirer quelque chose de lui. Il tape à la porte. Et le vieux reconnaît Rabbi Akiva, et les compagnons de Rabbi Akiva disent, oh, shalom echem, kvod rabbeinu, ma shalom chem, mes esrout, quel plaisir! Que puis-je faire pour vous? Rentrez, buvez, chantez, dansez. Est-ce que vous pouvez faire un don pour... Ben, d'un don, quel don? D'un don, je te fais, il lui a dit. Il lui a apporté quoi, je vous en supplie? Un vase rempli de pièces d'or. Et là, Rabbi Akiva, il comprend pas. C'est comme si tu prends un chèque de 10 millions de shekels. Rabbi Akiva, il lui a dit, vous savez qu'on est passé tout à l'heure devant votre maison? Il lui a dit, Lamalonichnastem, pourquoi vous n'êtes pas rentré? Il dit, parce que je vous ai entendu tout à l'heure parler à votre fils et lui dire, va pas maintenant au chouk. Attends la fin du chouk et prends ce qui reste. Alors, on pensait qu'un homme qui avait tellement d'argent, qui dit ça à son fils, attends la fin du chouk pour prendre ce qui reste, comment il pourrait donner à la Torah s'il donne pas à ses propres enfants? Et le vieux, il a donné une grande leçon à tous les rabbanim. Il leur a dit, ne confondez pas tout. L'éducation, pour s'élever dans la Kdoucha, ce n'est pas ce que nous devons faire pour la Torah. Mon fils est le fils d'un homme immensément riche. Je suis très riche. Donc pour équilibrer ces deux extrêmes, je suis obligé de le restreindre. Attends la fin du chouk. N'habitue pas ton palais au meilleur mets constamment parce que ça va t'éloigner de la Avodat Hashem. Pour lui, il attendra la fin du chouk. Mais pour la Torah... partez avec ce vase d'or. Rabbi Akiva l'a embrassé sur le front et l'a béni. Zeperu Shadavar, que miprinatenu, à nous, quand on parle de nous-mêmes. L'histoire des deux extrêmes, de on profite ou on ne profite pas, ça dépend de qui tu es toi. Est-ce que tu as besoin de t'éloigner du monde matériel pour me servir Dieu? Apprends à te connaître. Apprends à te connaître. Vous connaissez l'histoire de Rav Vadia Yosef. Il sortait du cours à Moussaïov, il avait son chauffeur dans la Volvo. Qu'est-ce que Volvo Géroudise? T'es dans la Volvo. Et le Rav Ovadia Yosef, en sortant du cours de Moussaïov, il n'a pas fait attention, il est rentré dans la voiture de Colombo juste derrière. Il s'est trompé de voiture. Il y avait une Katra comme ça, une voiture pourrie de sa race, mais complètement pourrie. Hein. Il ouvre la porte, il s'installe derrière, il prend son livre et il étudie. Maintenant, le mec était dans la voiture, quand il a vu le Rav Ovadia, il a dit « Gvodara, Vezesrou, Todaraba, lui embrasse la main !» Les gens qui accompagnaient le Rav Ovadia, « Gvodara, vous êtes trompé de voiture, c'est à côté !» Il a dit « Excusez-moi, il est sorti de la voiture, pas de chez à côté. » Il n'y a rien qui change. Le Rav Stapler, le père du Rav Kanievski, sa femme était en train de préparer une machine à laver. Comment c'était à l'époque? C'est une espèce de bassin, de bassine comme ça, avec une manivelle, tu tournais. C'est pas un moteur comme ça, un petit moteur. Machine à laver d'époque, je ne sais pas si vous avez connu ça. Et comment tu faisais? Tu prenais un bol avec une cuillère et tu préparais la poudre de lessive dans l'eau. Après, tu versais ça à l'intérieur et c'était comme ça qu'on faisait. Et la porte a sonné à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Du Rav Kanievski, du Rav Stapler, elle pose le bol sur l'établi d'étude de son mari pour aller ouvrir la porte. Et quand elle revient, elle entend son mari qui dit « Baruch ata, moina elokeinu melecha olam shea kol yabit baou » Et il boit. Et il mange. Alors comme ça, il dit « Mais Baali !» Il dit « Chazak ou Baruch, très très bonne la soupe !» Avec des bulles qui sortent comme ça. « Shea kol yabit baou » Bon, il a fait un lavage d'estomac, mais...
Il lui a dit, elle est très bonne, ta soupe. Mazem Echane, quel goût elle a, elle n'a pas. Il faut manger pour être bari. C'est un autre monde. Celui qui veut être Baba Salé, celui qui veut s'élever vraiment vis-à-vis d'Hachem, lui, il aura besoin du premier début du cours. Alors commence à t'éloigner du monde. Commence vraiment à te restreindre. Si vraiment tu veux servir Hachem, dans ton niveau à toi, qui vient d'un monde un peu plus matériel, alors commence vraiment à t'éloigner. Mais si Bezrat Hachem t'a commencé à te construire dans ton judaïsme, replonge vite dans le monde de la matérialité, au lieu de juger les rabbanim qui se sont très élevés. Ah, c'est ça, les rabbanim, regarde la belle maison, regarde la belle voiture, mais t'as rien compris. Maintenant que tu t'es déconnecté du monde matériel, retourne à l'intérieur pour le faire monter avec tes ailes vers le créateur du monde. Oy va voy lecha. Malheur à toi si tu n'y arrives pas. Comme a dit Rabbi Yehuda Hanassi, qui a le droit le plus de manger de la viande rouge? Dafka celui qui étudie la Torah. Opshat, parce qu'il a besoin de force pour étudier la Torah. Au niveau du sod, parce que sa bracha sera si profonde qu'il sera capable d'élever l'animal à un degré d'homme. En d'autres termes, d'élever la matière. Ça dépend tout simplement de qui tu es. Qu'est-ce que tu as besoin pour te construire? Zeperushadara. J'ai pas fini. On a le temps. Après, vous aurez des questions, je répondrai si Dieu. Car comme on l'a dit, tout cela pour revivre dans un monde matériel qui appartient au créateur du monde. Comme le nazir, comme c'est marqué de lui, il ferait une grave erreur de continuer. Le minimum d'un vœu de nazir, c'est 30 jours. Mais tu es nazir pour un an. Et sauf cas d'exception pour une éternité, pour une vie entière. Avalé Nézirim, qu'est-ce que c'était un nazir? On raconte comme ça l'histoire dans la Gemara extraordinaire à l'époque de Rabbi Shimon Hatzadik. Rabbi Shimon Hatzadik n'a jamais profité d'un korban khatat. Il n'a jamais profité d'un korban qui était apporté pour ça. Sauf d'un seul. Il y a un homme qui est venu le voir et qui lui a dit, j'ai fait le vœu d'être nazir. Il lui a dit, d'accord, et alors? Il lui a dit, j'ai coupé mes cheveux. Il lui a dit, ok, va apporter un corban. Rabbi Shimon Hatzadik lui a dit, au fait, pourquoi t'as coupé tes cheveux, Mike? Il lui a dit, parce qu'en allant boire, j'ai vu mon reflet, et je me suis trouvé encore beaucoup plus beau avec les cheveux longs que sans les cheveux. Et mon cœur s'en est enorgueilli, j'ai pris mes ciseaux et je les ai coupés tout de suite. Il lui a dit, de ton korban khatat, je veux manger. Tu as arrêté une naziroute parce que quoi? Tu t'es senti orgueilleux pour servir Hachem, ça va pas, t'as coupé ton nazir. Ça veut dire que tu as coupé ta façon de t'éloigner d'Hachem, tu l'as coupé pour plus te rapprocher d'Hachem. Vous voyez bien que selon Rabbi Shimon Hatzadik, ce n'est pas le fait de se couper ou de se rapprocher qui compte. C'est qui tu es pour te rapprocher d'Hachem. Quelle est la bonne mesure pour toi dans tes mains de savoir si Béhémet, en allant trop à droite ou trop à gauche, tu ne trouves pas le juif Azahav qui te mènera à être, comme le dit le Rambam, un homme Benoni. Le Rambam dit, vous savez comment on s'habille quand on est riche ou quand on peut s'habiller? Benoni, pas le top des tissus, de jolis tissus. Pas le top de la maison, une jolie maison. Sobre et tsanoua, avec de belles choses. Pas besoin de te porter l'œil. Pas besoin qu'on te regarde avec des yeux de crapaud. T'as pas besoin de tout ça, parce que tu prendras rien avec toi. Mais si tu as tout ça, est-ce que ça va te permettre de mieux servir Hachem? Et là, maintenant, on comprendra. Celui qui a eu tout ça, et qui n'aura rien à répondre à Dieu. T'as une grande maison, pas de Dvar Torah, pas de Gdusha, rien du tout. Dieu, j'ai fait des mitzvot. Dieu te répond, t'as eu ta villa. Dieu, j'ai donné de la tzedaka, je te donnais la Porsche. Dieu, Habibi, tout ce que t'as eu, tu t'en es servi pour toi. Moi, j'étais où dans l'histoire? Tout ce que tu as fait, c'est pour toi. Qui a eu ces arguments dans Masechet Avodah Zara, Bedaf, Bet Amud Bet? Les nations du monde viendront dire à Dieu, nous avons construit tout ce que nous avons construit pour Israël. Et Dieu leur répond, Rechaim, tout ce que vous avez fait, vous n'avez fait que pour vous, pas pour moi. C'est la réponse des nations du monde et la réponse du Créateur. On a fait des mikvaot pour les Juifs, pour la Kdusha, pour qu'ils soient propres pour Shabbat. Non. C'était pour replacer de la prostitution. Mais on a fait des ponts pour que les Juifs aillent plus vite étudier. Non, c'était pour remettre le mechès. On dit mechès. Les douanes, pour qu'ils payent. Tout ce que vous avez fait, leur dira Hachem, c'est pour vous que vous l'avez fait, pas pour moi. Le peuple juif, il a le droit de profiter de ce monde. Dans les moindres détails. Mais pour qui tu le fais? Je me souviens qu'une fois, ma femme, que Dieu la bénisse, elle est son mari, m'a dit un soir, je veux sortir. Oh. Drôle d'idée, celle-là.
Madame, elle veut sortir. C'était un motzé Shabbat. Et j'étais fatigué. J'étais resté 3 heures sur les guibolles en train de faire un cours d'Afka ce Shabbat-là, je ne sais pas si tu te rappelles, debout. J'étais fatigué et moi, le motzé Shabbat, il ne faut pas trop m'embêter, j'ai besoin de me retrouver un peu avec moi-même. Il y a encore Souda Shlichit, les chants, le bidule, les tikkunim. Il y a beaucoup de choses à faire. Et ma femme me dit, je veux qu'on sorte. Moi, je suis cool, hein. Sors. Et tu vas me saouler. Et pour guise de répondre, qu'est-ce que je dis à mon épouse? J'enlève les chaussures devant elle. Ça veut dire non, mais je te le dirai pas. Et je lui dis, écoute, en général, t'as pas trop envie de sortir. Là, c'est moi qui te le demande, s'il te plaît. Je ne veux pas sortir. Je suis fatigué. Prends une bonne douche. Tu dis un petit peu. Viens t'asseoir près de moi. Et elle me dit, ouais, d'accord, mais moi, je veux sortir. Vous la voyez comme ça, là, à quelques, mais... Et je lui ai dit, attends. Je remets mes chaussures, je me lève, je lui dis, tu peux me répéter ce que tu viens de dire, c'était une femme. Elle me dit, moi je veux sortir. Elle est ici présente, elle pourra vous le dire. L'Eshem Yechud Kutcha Berichu Shrimte Areni Balekem Mitzvat Gimilut Rasadi Mimishti. Voilà exactement ce que j'ai dit. Si maintenant que tu me dis que tu veux sortir, alors j'ai une mitzvah à faire. Te faire du bien. Alors on sort au restaurant. Moi j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas ni le cheshek, ni la force, ni l'envie. Bassop m'avait préparé mon anniversaire surprise, d'ailleurs, dans ce Beit Midrash, avec toute la communauté, musiciens, Rabbi Meir Abouhatzera était présent. Elle a fait une grande surprise. Mais imaginez maintenant que je me déshabille et je lui fais un scandale. Elle voulait sortir, c'est pas un restaurant, mais elle a fait un traluit pour arriver ici et me faire un anniversaire surprise magnifique. D'accord. Mais l'idée que je voulais retenir, c'est quand elle m'a dit, mais moi j'ai envie de sortir. Ah, regarde, ça change tout. C'est plus une question de conflit entre un homme et une femme si on sort ou pas. J'ai une raison de faire la mitzvah de te sortir. Laquelle? Celle de te faire plaisir. Celle de te faire du nachat ruach. Celle de te donner un sourire. Je le donne aux autres, je ne donne pas à ma femme. C'est débile. Alors j'ai remis mes pompes. Et avec beaucoup de courage, je suis arrivé ici. Ne sachant pas que c'était une surprise pour moi en fin de compte, imaginez que une surprise finisse mal parce que tu me casses les pieds, il y en a marre. Takshiv tov, il y avait une mitzvah. Mitzvah goreret mitzvah. Quelle soirée merveilleuse on a passée, d'ailleurs je te remercie, parce que ce fut la seule. Alors, c'est pas vrai la pauvre, c'est pas vrai, je peux me présenter un petit peu, pour pas qu'on te mette l'œil, moi. Voilà. D'où l'importance, vous l'avez bien compris, de sanctifier Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, et de l'inclure à l'intérieur de tout, d'où la phrase, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam She'akol. Pas du tout, vous n'avez rien compris. She'akol bara lirvodo. Tout ce que Dieu a créé, il a créé pour son kavod. Est-ce que tu es capable, toi, de mettre de la kvedout spirituelle dans la matérialité? Bezrat Hashem, les deux femmes ici présentes, j'ai le bonheur de marier, c'est-à-dire ces trois amies. Et je vous disais tout à l'heure, je vais marier donc la première amie, la deuxième amie, la troisième amie. D'accord? Donc, drôle de dame, et voilà, trois. Et Bezrat Hashem, que vous soyez sous la choupa, vous savez pourquoi vous vous mariez? Maintenant que vous venez d'entendre ce cours, on n'a pas le droit de profiter de ce monde. Le mari, il est beau, je l'adore. Parce que chez Akol, Baral Irvodo, je vais me marier pour créer un foyer juif. Parce que la Shrina réside quand le couple s'aime, quand il y a de l'harmonie à la maison, quand il y a de la joie, pas d'insultes, pas de problème. Quand on apprend à être humble, la Shrina, elle descend. Sinon, c'est la Shrina. She'akol bara lirvodo, vous l'entendrez cette bénédiction pour votre mariage. Pourquoi on se marie? En l'honneur d'Hachem. Ish ve'isha se'zachu, shrina shruya bene'em. Comme ça disent les versets. Je tourne la page. Ayama assez echad, c'est vraiment une petite histoire sympathique qu'on a l'habitude de raconter à Kippour, là je raconte aujourd'hui, c'est pas grave. Un jour un touriste est arrivé au Café de la Paix. D'accord? À Opéra, pour ceux qui connaissent. Hein? C'est... Non, c'est 11 euros le café. Tu fais ça. Du café. Quand il a commandé le café, on lui a dit, ça coûte, on va revenir dans des prix conventionnels. On lui a dit 14 shekels. Et le mec, il a dit, hein? 14 shekels? Il lui a dit, mais vous plaisantez, le paquet de café en entier, il coûte 5 shekels. Le paquet avec lequel je peux faire autant de café que je veux, là, vous m'avez donné un verre, j'ai bu deux schlouks et je l'ai fini le café. 14 shekels?
Et là, le serveur est venu le voir, enfin le patron est venu le voir, il lui a dit, mais monsieur, quand vous buvez un café à la terrasse, vous payez pour l'électricité de la machine, pour la arnona, l'arnona c'est les impôts locaux, vous payez pour la taxe de la terrasse, vous payez parce que vous profitez d'un magnifique paysage. Quand vous buvez votre café assis à cette terrasse, le café en lui-même, il devrait vous coûter 5 shekels. Et les 9 shekels supplémentaires sont pour ce qu'il y a tout autour. Le mec, il a dit, ah d'accord, j'ai compris, c'est bien, voilà 14 shekels. Deux secondes après, qui c'est qui vient s'asseoir à la table d'à côté? Le garçon de café lui-même. Il s'assoit et l'autre lui sert un café. Et lui, il boit le café. Et il attend. Et il attend. Il regarde son papier déchiré sur lequel avait marqué 14 shekels j'ai payé. Et l'autre, il se lève et lui dit, tu payes pas toi? Il lui a dit, ah non, moi je paye pas. Il rappelait le patron. Excusez-moi, il y a un problème. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, écoutez, il y a quelques instants, vous êtes venu me dire, alors que j'ai bu un café à cette terrasse, comme lui, moi je suis là, il est là. Je suis humain, il est humain. La table est ronde, la sienne aussi. Le café, c'est la même. Le même, la même tasse. J'ai bu, il a bu. Pourquoi lui, il ne paye pas? Et pourquoi moi, j'ai payé 14 shekels? Alors le patron lui dit, mais parce que lui, il travaille ici. Mais vous, vous êtes un touriste. La personne comprend enfin son erreur et s'en va. Cette métaphore des sages nous dit que le touriste, c'est lui qui vient dans un monde qui a été créé par Dieu, dans lequel tout respire la création du monde, et qui se comporte comme un touriste vis-à-vis des mitzvot, de la Torah, de l'étude, de l'accomplissement, de créer un monde pour Dieu. Vassouli dira Batartonim, faites-moi un appartement dans le monde d'en bas, dans le monde de la matière, dit Hachem. C'est pour ça que j'ai créé les hommes, pas les anges. Faites-moi dans le monde de la matière un nom. Mais celui qui se comporte comme un touriste, tout ce que tu auras profité de ce monde, tu vas payer cher. C'était la kavana de tout ce qu'on a lu au début. Mais celui qui est Talmid Chacham, celui qui travaille dans ce monde, le garçon de café, celui qui est venu dans ce monde travailler Hachem, lui, il peut profiter de ce qu'il veut. Il ne paiera rien. Au contraire, quand il finit son service, on le paye. Non seulement tu as profité de ce monde, mais en plus tu as ta paye à la fin du mois. Mais tu me charries, mais ça est différent. Je travaille ici, monsieur. Quand tu viens travailler dans le monde d'Hachem, le monde d'en bas, alors non seulement tu peux profiter de ce monde, mais en plus on te paiera le monde futur. Donc tu peux manger à deux tables, selon cette explication. Vechen Amrou. Vous connaissez la Mishnah dans Masechet Avot qui dit Amar Rabbi Elazar Amodai, tout celui qui est Mechalel les Kodashim, tout celui qui est Mechalel les Korbanot, en d'autres termes, selon l'explication du Maharal de Prague sur Pirkei Avot, ce que je vous donne comme explication sur Pirkei Avot, tout celui qui dénigre les Korbanot, ça veut dire les Kedoshim, dans le cas échéant, Vamevazet et Amoadot, et qui viendra maintenant dénigrer la valeur des fêtes et de Chol Amoed. Ou alors, Amalbin Peno Chavero Barabim, ou qui viendrait humilier une personne et le faire rougir en public. Ou un Fer Berito Shel Avraham Avinu, ou qui retournerait la bride d'Avraham Avinu. D'accord? Vemelabed Alacha Sheloka, Panim Kalacha Sheloka Alacha, et qui n'enseignerait pas les Alachot comme il devrait le faire. Alav Nehemar, sur lui il est dit, Afilu, même si, Yeshlo Torah ou Mizvot ou Maasim Tovim, Enlo Helek La Olam Abba. Même s'il a de la Torah et des mitzvot en lui, de bonnes actions, il n'aura pas de monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le Maharal de Prague explique cette Mishnah dans le même sujet que nous sommes en train de développer. Kachomer à Maharal, à propos de cette Mishnah, qui estimait le monde matériel. Si vous voyez bien tout ce qui a été dit, on parle de korbanot. Les korbanot ont fait avec quoi? Des animaux. Celui qui estime que l'animal, le monde de la matière, quoi, des animaux devant Dieu, Dieu est bien au-dessus de cela. Même s'il a de la Torah et des mitzvot et des bonnes actions, il n'a pas de monde futur. Celui qui dit Amevazet Amoadot, il va dénigrer les Moadim. Qu'est-ce qu'il dit le Maharal de Prague? Les Moadim, ça veut dire que c'est Chol HaMoed. Il faut s'habiller comment Chol HaMoed? Avec de beaux habits, Yom Tov, avec de très beaux habits. Ouais. Il dit, mais qu'est-ce que Dieu en a à faire du monde matériel? Oui, Habibi, tu penses comme ça? Tu t'es pas habillé les Rvod Hagim? Tu t'es pas habillé les Rvod Shabbat Kodesh? Des habits de Kodesh? Même si tu as de la Torah, tu as des bonnes actions, tu n'as pas de monde futur. Pourquoi? Dit le Maharal. Parce qu'il a oublié de partir dans ce monde, avec la raison pour laquelle Dieu l'a créé dans ce monde. C'est d'avoir pris le beau et de l'avoir emmené dans le Kodesh. C'est un bel habit.
Je ne mets pas des beaux habits. À quoi lever la valine? Mais c'est méchané comment je suis habillé. Ata mezalzel be moadim. Tu ne tiens pas compte de la kdusha des fêtes. Je continue. Faire la brit mila. Il dit quoi? Dieu me demande de faire une brit mila qui a la même valeur qu'une mezouza. Ou, avec tout respect que je vous dois, dans le membre avec lequel je fais pipi. C'est l'explication du Maharal. Il y a d'autres explications. Le Maharal, il dit, quoi? Avec ça, moi, je vais faire l'action la plus kadosh, qu'on appelle l'endroit le plus kadosh du juif. Avec ça, je vais faire, je ne fais pas. Même si tu as de la Torah et des bonnes actions, Habibi, tu n'as rien compris à ta vie. C'est justement le monde de l'animal qu'on te demande de l'écrire à la misbère, d'apporter sur le misbère. C'est justement ce membre qui te permet d'évacuer le mauvais qui est en toi qu'on te demande de mettre, la chose la plus kodesh dans ce monde. Mets de la kdoucha dans ce qui paraît à tes yeux, le plus bas de ce monde. Donc est-ce qu'on doit profiter de ce monde ou pas? Oui, mais il faut que dans le profit, tu viennes à chaque fois mettre le tampon d'Hachem, le tampon d'Hachem, constamment. Vechen, pourquoi maintenant, d'après vous, allez une question pour un champion, pourquoi celui qui humilie une personne en public, il n'aurait pas de monde futur? Parce que vous avez bien compris, selon le Maharal, pour lui, je t'ai pas humilié ton âme, j'ai fait rougir ton corps. Qu'est-ce que le corps? Il retourne à la terre, bouffé par les rêves, par les vers. Donc c'est pas important la matérialité. On lui dit, Habibi, tu viens de dénigrer le corps. Un homme se doit d'être bari, d'être en bonne santé. Vechen dénigrer les mitzvot reliés au corps. Donc il n'enseignera pas la halakhot reliée au corps. Vechen alzeh aderech à propos de la Torah. Comme le Rav Ben Sion a enseigné, et comme on le sait tous à propos de Sarah et Menou qui représentent le symbole de toutes nos réponses, Sarah était une princesse. Avraham était un prince. Qui nasi Elohim ata betochenu. Tu es un prince de Dieu parmi nous, on dit, les habitants de Hebron. D'Avraham, il est dit, Avraham kaved meod babakar ou batson. Avraham était extrêmement riche, kaved meod. Le Rav Yehuda Tzadka, alav shalom, il dit que la richesse du monde matériel d'Avraham l'embêtait parce qu'elle le retardait dans sa avodat Hashem. Il s'en détachait, il déléguait tout à qui? Eliezer va t'occuper du monde matériel. Moi, j'ai besoin, c'est kaved pour moi. Ça me retient dans ma avodat Hashem. Mais à propos de Sarah, qu'est-ce qu'il est dit? Sarah est morte à 127 ans. Et ces 127 années, on nous dit qu'elle a servi Dieu. Je suis pas d'accord. Quand tu manges, c'est pour toi. Quand tu dors, c'est pour toi. Quand tu vis ta vie, t'es pas tout le temps en train de faire des mitzvot. Il y a un moment où tu t'occupes de toi. Et Sarah, elle répond, c'est vrai. Tu sais pourquoi je dormais? Pour me réveiller en bonne forme le lendemain matin pour mieux servir Hachem. Tu sais pourquoi je mangeais? Pour pas m'évanouir en pleine mitzvah. Chaque chose que j'ai pratiquée dans ce monde était pour te servir toi, Hachem. Maintenant, la différence, elle est énorme. Et vous allez comprendre quelque chose d'essentiel dans ce cours. D'essentiel. Si maintenant je profite de quelque chose, j'ai le droit ou pas selon ce qu'on vient de dire, ça dépend. Si maintenant mon intention dans mon profit c'est de faire profiter Hachem, est-ce que j'en profiterai aussi d'une certaine façon? Oui. D'en fin de compte, qu'est-ce qui me manque si je veux profiter de ce monde? Uniquement Hachem dans mes actions. Je veux manger. Je vais manger un steak. Je vais manger une entrecôte. J'adore les entrecôtes. Je veux manger une entrecôte. C'est là. Deux options. Je regarde si c'est l'aïloula, par exemple, d'un grand rave. Ou alors, tout simplement, parce que j'ai besoin de vitamines demain matin pour me lever à l'heure et ne pas arriver en retard à la prière pour prier Hachem de toutes mes forces. Parce que dans la viande, il y a du fer. Et que je manque de fer. Donc j'ai besoin, dans ma kavana, dans mes intentions, de manger uniquement avec de bonnes intentions. Est-ce que mon steak, maintenant, c'est devenu mitzvah si je le mange ou pas? Pourquoi? Parce que dans mon esprit, c'est pour servir Hachem. Maintenant, au niveau de mon palais et de ma langue, est-ce que j'en ai profité? Oui. Vous voyez qu'il n'y a aucune marloquette? Profite. Mais pourquoi tu profites? Va. Et pourquoi tu y es allé? Par exemple, vous allez vous marier. Il y a 5 mitzvot pour celui qui vous accompagnera dans votre joie, dans votre soirée. Extraordinaire. Comme ça nous dit la Gemara. Tout celui qui donne de la joie au Khatan et la Kala, qui danse, d'accord? Devant un Khatan et une Kala, gagne 5 mitzvot. Très bien. Est-ce que c'est le cas de tous ceux qui vont danser devant une Kala? Et si c'est des mecs qui dansent devant vous, ou vous qui dansez devant eux? La question serait de savoir, mais le ta'anouk que tu as fait là, il était pour toi ou pour moi? Pose-toi juste la question. Si c'est pour moi, il te dit Hachem, alors il faut que ce soit comme moi je te le demande. Mais si tu ne fais pas comme moi je te le demande, c'est que tu le fais pour toi. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de mariage?
on a le devoir de partir et de ne pas rester. Alpi alakha asur lishtatef. J'ai pas le droit de rester. Parce que ça veut dire que je suis messaïa be avera si ça danse ensemble. Alpi alakha, je n'ai pas le droit de rester dans ce mariage. Comme ça dit écoute Yosef, Khanarour, le Khida, qui vous voulez. Lama. Parce que ouais, mais tu comprends bien que deux vieux qui dansent le slow, c'est pas convenant. Qui t'a dit de danser un slow? Slow, c'est pour les morts. Danse, kiffe, mange, fais kiffer ton khatan et ta kala. Mais comment tu vas l'organiser, c'est là que toute la question. Tu viens sous la choupa avec Pitom et Ramsès. Pour qui tu viens sous la choupa? Une jupe, la fente qui te part de là en bas pour montrer tes jambes à qui? Merci Hachem, de quoi? C'est là qu'est toute la base de ce chiour. Profite de ce monde. Mais pose-toi la question, est-ce que ce que je fais, c'est pour toi ou pour moi? Et ça, c'est ce qu'a dit Rabbi Yehuda Hanassi, une des plus grosses fortunes de l'histoire. Un homme qui mangeait des fruits d'une perfection que personne n'a mis dans sa bouche. Il avait tout. Servant, serviteur, maison de luxe, carrosse de luxe. Et qu'est-ce qu'il a dit? Même mon petit doigt n'a jamais profité. Parce que toi, tu sais, Hachem, que toutes mes intentions n'ont jamais été, si ce n'est que pour t'honorer, toi, Hachem. C'est vrai que j'avais des couverts en or. Mais c'est l'Irvot Shabbat Kodesh. C'est vrai que j'avais de chaque côté, c'est vrai que Rabbi Yehuda Hanassi, à droite, il avait une chaise en or, et à gauche, il avait une chaise en argent. Et quand il recevait des invités, il disait à celui qui était très riche, toi, tu te mets à droite. Toi, t'es moins riche, tu te mets à gauche. T'as envie de dire, mais attends, t'as vu le rabbin, il fait du commerce. Pas du tout. Si t'es riche, c'est parce que Dieu t'a choisi. Parce que la richesse, c'est un passe-partout. En dessous de Dieu, il y a l'argent. C'est pour ça que Dieu a dit, l'or et l'argent, ça m'appartient à moi. Fais très attention avec l'argent, on peut acheter un monde futur, mais on peut tout perdre. L'argent peut rendre fou. Vaishman ishurun vaivrat. Tu viens d'arriver, si tu as de l'oseille, tu peux tout baser du jour au lendemain. La chen d'ici atad ishmaya. Rabbi Yehuda Hanassi, il dit, nachon, moi j'ai tout eu. Mais regarde bien chacun de mes détails. Est-ce qu'une seule fois j'ai profité d'une chose pour moi, si ce n'est pas pour toi, Hachem? Quand j'avais un riche qui venait, je l'assieds sur une chaise en or. Pourquoi? Parce qu'on dit que les neshamot des gens qui sont très très riches est une neshama qui est très élevée. Donc quelqu'un qui est très élevé au niveau de son âme, je ne peux pas le mettre sur une chaise en bois. Tu mérites d'être assis ici. C'est en l'honneur de celui qui t'a honoré que je t'honore aujourd'hui. Quand un Talmid Chacham rentre dans un Bet Midrash, ou le rav d'une synagogue rentre, on se doit tous de se lever. C'est une obligation. Et le rav, lui, comment il est? Fantomas. On lui dit, Habibi, on ne se lève pas pour toi. On se lève pour la Torah qui est en toi. Et si toi tu en ressens de l'orgueil parce qu'on s'est levé, c'est que tu travailles pour toi. Mais si tu ne ressens aucun orgueil, c'est que tu travailles pour lui. Parce qu'à tes yeux, qu'on se lève ou pas, tu ne dois pas le voir. Tu dois être bien loin et transparent de cela. Que chacun fasse son tafkid. Les gens doivent se lever et le rav doit comprendre que c'est certainement pas pour son corps qu'on se lève, mais uniquement pour la Gdoucha que lui, il a travaillé. Parce qu'imaginez, demain, vous voyez ce rabbin sans barbe, sans kippa et sans main, vous allez vous lever devant lui? Il va perdre le pourquoi du respect qu'on lui devait. Parce qu'il a été capable de rendre son corps, ses 613 membres, au service divin. C'est pour ça qu'on dit de lui qu'il est beaucoup. Comment on dit beaucoup en hébreu? Rav. Tu es beaucoup. T'es pas seul. T'as été capable de drainer après toi toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de messirut nefesh, toutes sortes d'heures d'études sur lesquelles tu as pris et partagé pour faire grandir le nom de Dieu. Ça, ça fait de toi quelqu'un de grand. Mais pas parce que tu fais 1m90, 97 ou 2 mètres. Ça n'a aucune espèce d'importance. Avrel, il faisait 2 mètres. C'est un brel. C'est pas la taille qui fait toi un grand. C'est ce que tu as en toi. Une fois, à Jérusalem, une femme enceinte est passée devant le banc de la yeshiva du Rav Yaakov Hillel. La yeshiva du Rav Yaakov Hillel, c'est une yeshiva de Mekoubalim. Et cette femme enceinte qui est passée là-bas devant eux, a fait lever les 3 Talmidei Chachamim qui étaient sur le banc. La femme est passée, et les 3 se sont levés devant cette femme. Cette femme s'est retournée en disant, « Non, Gvoda Rabbanim, Mechila, elle a eu honte. Comment vous voulez devant moi ?» Les Rabbanim lui ont dit, « Giveret, ce n'est pas devant vous que nous venons de vous lever, mais devant l'ange Gabriel qui est en train d'apprendre la Torah à votre fils. » C'est ce qui attend toi qui nous fait nous lever. C'est pas toi. Parce que nous, on n'est rien.
on doit rien sentir pour nous-mêmes. Je me rappelle mon Rav, le Rav Garbian, que Dieu le bénisse. Quand il monte à la Torah, tout le monde se lève et tout le monde chante en son honneur. Maintenant, qui chante le plus fort, je vous en supplie? C'est lui. Une fois, j'ai été le voir, je lui ai dit, votre Rav, quand vous montez à la Torah, on chante pour vous et vous chantez plus fort que nous. Il me dit, mais non, on chante pour Dieu. C'est Dieu. Tout ce que je suis, c'est à Dieu. Tout vient à Hachem. On pourrait continuer comme ça. Le Rav Ben Sion Abashaoul a fait un sikoum. Vous savez qui était le Rav Ben Sion Abashaoul? Dafka, c'est le Rav de mon Rav. Et le Rav Ben Sion Abashaoul m'a dit, mon Rav, le Rav Aré Garbian m'a dit de sa bouche que son Rav à la Yeshiva de Porat Yosef lui a dit, Bni, tochal tov, tishte tov, tishan tov et tilmat tov. Ça a été la réponse. Mange bien, dors bien, kiffe bien, mais surtout étudie bien. Parce que si tout ça te mène à une meilleure étude, alors va kiffer. Je finirai juste avec ça. Malgré tout, dans les tanougim de ce monde, dans les plaisirs de ce monde, apprends à te restreindre pour bonne mesure, comme vous l'avez bien compris, afin de diriger ta avodat Hashem de telle façon à ce qu'elle monte de palier en palier. C'est-à-dire que le jour d'aujourd'hui ne ressemble jamais à celui de la veille et qu'il soit toujours plus élevé, comme des escaliers. À toi de trouver la bonne mesure, de diminuer tes plaisirs pour être plus proche de la spiritualité et de mieux servir Hashem. Ça, c'est en ce qui te concerne, mais la suite est très belle. Aval, attention, en ce qui concerne les autres, ta'aselem et kol ta'anugia olamazé. En ce qui concerne tes invités, tes amis et les autres, eux par contre n'aient pas de limite, donne-leur tout le bonheur du monde. Pour toi, calme-toi. Aval, pour les autres, donne beaucoup. Fais beaucoup pour eux. Donne un maximum pour eux. Donne un maximum de sourire à toute personne que tu verras. Zéanachon. Pour toi, sois un peu un chamaïste. Aval, pour les autres, sois surtout un hilléliste. Et je finirai juste avec une parenthèse que j'ai notée en bas, qui est cette fameuse phrase de ce que dit la Torah. Dieu veut que l'on profite de tout ce qu'il a créé, je vous libère. Il a créé le porc, il nous l'a interdit, mais il a créé le shibuta, dont le cerveau a le goût du porc. Il a créé la femme nida, qui nous est interdite, mais il a créé la betula, qui perd du sang et qui nous est permise le soir de la choupa. Il a créé la mère, il a créé la belle-mère, mais il n'y a pas de rapport. Ça vous fait rire, hein? Bekitsur Vélaïnian, les exemples sont nombreux, je ne vais pas vous attarder parce qu'on a dépassé l'heure. Juste pour vous dire que le créateur du monde, il te dit, tu vois, il y a des choses que je t'ai interdites, Nahon, tu vois que c'est assaut. Aval, de l'autre côté, il a créé en parallèle de ça la même chose, mais qui restera permise. Pour t'enseigner que s'il a créé, c'est pour que tu en profites. Profite de ce monde. Aime ce monde. Juste sois capable, en même temps que tu profites, de donner à ce plaisir un tremplin pour être quelqu'un de meilleur demain pour servir Hachem. Si ce n'est pas pour cela, alors Béhémet, tu rejoindras le niveau des nations du monde. Vous comprenez ce qui se passe un petit peu aujourd'hui? On travaille toute l'année pendant 11 mois pour aller en vacances, cuire comme une frite pendant un mois, revenir plus fatigué, avoir perdu tout son oseille de 11 mois de labeur, pour revenir encore plus fatigué, plus endetté, plus avec les disputes en plus. Pas tu kiffes, hein? Chaque fois qu'on part en vacances, c'est pareil, il y en a marre, arrête de la regarder celle-là, et que tu fais celui-là. Tarchov, qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai fait un cours qui s'appelle « On part en vacances » ou je ne sais pas comment ça s'appelle. On part en vacances. En hébreu, il y a deux façons de dire le mot vacances. Choufcha ou nofesh. Les chilonim, on dit deux qui partent en choufcha. Chofesh. Libre. À Val du Monde de la Torah, on dit nofesh. Nofesh, ça vient du mot changer de paysage, se renouveler. Mais le mot nofesh, il vient aussi des lettres du mot nefesh. On change de paysage pour renouveler son âme, pour mieux servir Hachem. Mais on ne se rend pas libre de toutes les mitzvot quand on est en vacances. Sous prétexte qu'on est en vacances, on ne sait plus à la prière. Sous prétexte qu'on est en vacances, on va à la plage mélanger. Je suis en vacances, quel rapport ?
pourquoi Dieu n'est pas avec toi? Dieu ne te fait pas respirer tous les jours. Imagine Dieu maintenant, quand tu vas en vacances, tu dis moi aussi je vais en vacances. Il n'y a pas Dieu avec toi. Donc la réponse est très simple dans tous les sens du terme. Vous avez une question? Personne n'a de question. T'as une question toi? Moi aussi j'ai du déodorant. Deux minutes. Qu'est-ce que vous dites? Hein? C'est pas on peut profiter de ce monde, on est obligé de profiter de ce monde. Mais pour être obligé de profiter de ce monde, il faut être certain qu'en profitant de ce que l'on va profiter, cela ne va pas nous éloigner de la Avodat Hashem. Sinon, on ne peut pas en profiter, c'est là que les deux pôles se rejoignent. Par exemple, quelqu'un qui conduit trop vite, on va lui donner quoi? Une deux chevaux. Maximum, il va rouler à 90. Même s'il voudrait être plus vite, il ne pourra pas. Donc lui, on va le freiner. Mais celui qui est très prudent, et on sait qu'on peut compter sur lui parce qu'il a vraiment une grande prudence. On peut lui donner une voiture beaucoup plus rapide. Parce qu'on sait qu'il ne va pas profiter de cette vitesse au maximum de son potentiel. Il va prendre les bonnes mesures, les bons virages de la vie, pour arriver sain et sauf de l'autre côté. Mais quand il arrive de l'autre côté, il amène pas une de chevaux devant Hachem, il amène une belle Rolls Royce devant Hachem. Tu comprends la différence? Dernière question. Je pense qu'au niveau du Rav Odia Yosef, qu'il le vexe ou pas, il a, d'abord l'autre n'a pas à se vexer. S'il se vexe, c'est qu'il n'a rien compris à sa vie. Il sait très bien que le Rav Odia s'est trompé de voiture. Il ne va pas s'imaginer que dans sa voiture, le Rav Odia, il a même rigolé. Hein. C'est une fois qu'il a fait le tour de Jérusalem. Donc, personne ne s'est vexé de l'histoire. Le Rav Odia Yosef, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a simplement dit « Excusez-moi, monsieur », il est sorti, parti de l'autre côté. Et pour lui, il n'y avait pas de différence entre ici ou là-bas. Voilà. Seulement, il est évident. Je vous pose juste une question. Une question. J'amène un Sefer Torah dans votre maison. Je vous demande une chaise. Vous m'apportez un tabouret pourri ou la meilleure des chaises? Question. Pourquoi? Parce que c'est un Sefer Torah. Ainsi, de la même façon, quand le tzaddik est plus grand qu'un Sefer Torah, parce qu'il va t'expliquer ce qu'il y a dans la Torah, quand il pose son dos sur quelque chose, donne-lui la meilleure des chaises. C'est tout. C'est du kavod. C'est tout. Lui, il ne doit pas rechercher ça. Il ne va pas, maintenant que je suis un rave, apportez-moi la dernière Mercedes. Moi, non. Avalant l'honneur de la Torah qui est sur lui, il doit avoir le meilleur étui autour de lui. Voilà. J'ai pas fini, juste un instant. Il y a encore une dernière question ici, mais tu n'as jamais posé de question, qu'est-ce qui t'arrive toi? Vas-y, vas-y, moi. C'est ce que j'expliquais pendant une heure. C'est exactement ce que j'expliquais pendant une heure. Si on est capable de prendre Hachem avec nous, signifie l'Enael et Tachaim, l'Efi Alacha. Diriger sa vie à pied à la chasse, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la khatouna. Je viens maintenant danser l'arabe avec une kala et tous les mecs ils dansent. Et là le mec il dit hey, 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 je viens donner du plaisir à la kala. Al pied à la chasse, il vient de brûler des étapes qui l'ont éloigné de la shrina. La shrina elle est partie, c'est le satan qui danse parmi eux, dit le Zohar. Il ne travaille pas pour Hachem, maintenant il travaille pour la sitra hara. C'est là qu'est toute la différence. Et ça, il ne pourra pas le nier de l'autre côté, parce que les anges qui se sont créés ne sont pas blancs, ils sont noirs. La reine, Adam, c'est pour la simlève. Après, c'est une question de degré, une question de niveau. On n'est pas là pour juger les gens. J'explique le summum de ce qu'on doit atteindre. Chacun va gravir ce degré avec ce qu'il est aujourd'hui. On ne devient pas Baba Salé du jour au lendemain, c'est sûr. Aval, de l'autre côté, il faut savoir que c'est ça le Emet. Au moins que la personne, elle reconnaît. C'est pour ça que dans les Tahamnim, qu'est-ce qu'on a vu à Kippour, pardonne-nous, Hachem, d'avoir profité de ce monde. Ça veut dire quoi? On l'a profité pas en ton nom, mais pour notre chair. Et donc, on a nourri quoi? Notre Yetzerara. C'est pour ça qu'on a plongé dans l'obscurité pour moins bien te comprendre et moins bien accomplir les choses. On s'est menotté, donc on ne peut pas courir vers tes mitzvot. Kol tov.